petit lieu, on connaît qu'il y a désolation et pays. Donc, nous présenter sympathie nous avec eux. Le jour de l'assassinat du président Alfredo Antoine, nous avons fait un tweet pour présenter sympathie au bail famille, président, madame Ni, et en même temps évoquer question bataille. Jovenel Moïse a fait pour camper en face système non et apparemment ça coûte le cher. Et président Jovenel t'a bataille pour moun ki pi pov yo. Moun a di yo yo. Moun yo rele gros a gros yo. Président Jovenel Moïse c'est même origine sociale avec député Alfredo Antoine, petit paysan. Président Jovenel Moïse, pas de zamim pendant le candidat. Mais depuis, dans la campagne, deuxième tour, les ont déclaré deuxième tour élection, mais appuyé candidature, et depuis lors, il y a une entente parfaite entre moi-même, harmonie parfaite entre président Jovenel Moïse et ancien député Keskofla. Nous avons partagé même valeur. Quoi dans monde qui plus faible, OK? Président Jovenel, il fait 4 ans pays a pas comprendre niveau diable. Il a assassiné caractère. Dit que il a traité de tous les mots d'Israël avant que arrivé sacrifier le président Jovenel pas assassiné. Il a sacrifié président Jovenel. Président Jovenel c'était défenseur paysan yo. M'a dit ça encore et m'a prédit. Si ce n'est pas unique président qui visitait plus section communale, l'arrière-pays, il arrivait, il sacrifié président pour ça que le quoi. Président Jovenel mourit parce que il n'a pas voulu que 5% population gagne 95% richesse pays dans le pays. Il était voulu inverser tendance pour que l'argent pays comme trésor public là le fait travail peuple là route électricité agriculture c'est ça président de quoi et c'est pour ça où il mourit. OK, tout le monde connaît qui monde qui t'a fait président menace de public toute déclaration malheureusement depuis Haïti indépendant premier président que nous avons nous assassiner. Nous sacrifier, nous traîner. C'est même humiliation à nous fait. Ce n'est pas président Jovenel Moïse nous humilier. Nous humilier, première république noire indépendante. C'est tout pays à travers le monde, surtout le continent africain, qui consterné par sacrifier président Jovenel Moïse. OK, nous avons deux Colombiens qui rentrent, malheureusement, il n'y a pas une histoire pays d'Haïti. C'est nous-mêmes, c'est Haïtiens. Héros indépendance qui va en pile pays dans l'Amérique latine indépendance dont la Colombie nous t'a aidé yo. Nous avons des moyens financiers pour que yo capable à libérer yo pays ça yo. Mais c'est ça que nous mêmes yo vinn prendre. OK, et c'est pas des nationaux des complices nationaux et internationaux qui fait ça malheureusement. Président et prédécesseur, sénateur Fortuné, lui parlait de la bourgeoisie, on partit de la bourgeoisie corrompue sale, qui toujours de commun accord avec la communauté internationale. Et ça m'a répété au gros historien qui habitait dans la commune de la Carmé, que je ne parle pas avec l'idée, pendant que des députés m'a posé des questions. L'idée l'histoire pays ça, la communauté internationale est toujours de mèche avec cette sale bourgeoisie que pays a gagné. Malheureusement pour pays, nous n'avons pas une bourgeoisie nationale. Le monde qui croit dans la production, il a détruit pour le monde qui semble avec nous. Le paysan, le président n'a pas de gagner discours à eux. S'il devine défendre l'intérêt, la bourgeoisie. Président pas d'ap mourir Jean mourir. Il t'a fait toutes 5 ans là et on t'a retourné encore malheureusement. Il mourit même content que président mourit comme de braves
guerrier. Lui montrer que c'est digne fils de Jean-Jacques Dessalines. Lui mourir sous champ bataille parce que les pas quitter que humilier. Même si nous assassinons, nous sacrifions, nous humilions le cadavre, mais le président mourit debout. C'est ça pour le pays à qu'on est. Malheureusement, dans les jours à venir, les années à venir, nous pourrons comprendre qui ça, le président Jovenel Dabdifon, qui va le lieu. Nous faisons peuple là, soulever contre lui pendant toutes 4 ans, tous les grands médias, malheureusement, ils ont alimenté par une courant. Et je suis capable de dire, est-ce que c'est de bon sens que vous faites certaines stations de radio de la capitale qui apportent le discours, qui entraînent dans le cerveau peuple-là, côté au président, au peuple, 90% ou 80% majorité population dans la crasse, dans la misère, côté au mandat, dans 2 ans, 1 an, 3 ans, on capable tout le peuple ça à manger. Je dis, je ne suis pas capable, pas de monde qui est capable de faire. Mais on ne peut pas dire ça, on ne peut pas dire la vérité ça. Il faut qu'on dise que dans la misère qu'il y a depuis 200 ans, c'est Jovenel Moïse qui sortit trop du Nord, qui sortit en deux en bois de paix, c'est lui qui pète la misère. C'est ça qu'on a véhiculé. Ok? Donc nous arrivons à assassiner, nous souhaitons que nous n'étions pas moun la Saline qui touille le président. Ce n'est pas moun grand ravine de jeunes qui sortit dans la section, dans deux zones, dans le quartier populaire. Que nous entretenions dans la misère, dans la crasse, par aux âmes. Au lieu de nous mettre l'école pour eux, nous faire plus que 200 ans, c'est ça. Parce que faut que la misère, faut que jeunes dans notre crasse, pour nous capables de suprématie, nous. Pour me finir, ma lancé un appel avec les gens qui gagnent la direction pays à nos mains. Que ce soit sénateur Lambert, que ce soit le Premier ministre Claude, que ce soit un premier ministre nommé que non l'échappez. Ariel Henry. Docteur Henry, je ne reconnais pas lui. Même quoi que il y a un monde qui n'a pas dit, c'est Premier ministre Evans Paul connaît très bien. Mais l'autre deux messieurs me connaît. Moi, j'ai toujours souhaité que Joseph Lambert, sénateur, président Sénat, t'es Premier ministre. C'est joué nos ententes avec le président Jovenel Moïse pour qu'il soit Premier ministre. Et là, l'attendait. C'était toujours plus que 2 ans. Moi, j'étais toujours travaillé dans ce sens-là. Parce que je pensais qu'il était capable de concilier une bonne partie dans le pays pour qu'on aille vers la paix durable, qu'on a besoin de stabilité. Ma petite toi, monsieur Sayo, la communauté internationale, ils vivent de contradictions pour nous mettre dans le nous pour que le pays n'ait toujours des divisions. Il n'y a pas d'entente entre nous. Toujours il y a 2-3 courants. Chaque abdine dit, il y a un pouvoir, ma voix. C'est ça qu'il a toujours fait, sous tout président. Il y a plusieurs courants, il y a plusieurs espoirs. Je dis, nous entendons ça, monsieur. Bye, président Jovenel Justice, si nous voulons ça, c'est haïtien authentique pour lui. Chita, en tant que dirigeant, nous trois, bye, pays en direction. C'est pas Adela Lim, pas président PIA. C'est pas ambassade américaine ou bien les ambassades Capvinbaye qui direction pour le PIA, monsieur. C'est haïtien nous avons une colonne vertébrale, nous debout, nous sommes petites des salines. Montrez que nous sommes dignes fils PIA et ou indépendance. Joignez en entente entre nous. C'est entente ça qui n'est pas nous pays, ça qui fait que nous sommes indépendants. Jouer entendre ça entre nous, ça la communauté internationale. Ils n'ont pas d'intérêt pour que Haïti ait stabilité. Si on a intérêt, problème que nous avons résolu déjà. Ils ont entretenu nous, ils ont mené nous pour craser toute institution républicaine pays. Un pays fonctionne à partir d'une institution. Monsieur, ressaisis-nous. Président Jovenel mourit. Je ne sais pas pourquoi nous voulons payer aller dans la guerre civile. Entendez-nous, je vais parler de son vivant. Le docteur Reginald Boulos, les vivants, qui t'a rencontré avec moi. Je voulais jouer en médiation parce que moi-même, je suis un apôtre de la paix. Ok? C'est un produit de l'église protestante. C'est dans la paix que mon pays fonctionne. Je t'ai demandé de me rencontrer avec elle.
pour que le joigne une entente avec le président pour que la paix. Malheureusement, cette entente n'est pas arrivée aujourd'hui. Député Alfredo là. Très bien. Et c'est Agoudou, et m'entendez toutes les paroles qu'il dit. Et monsieur que gagné dans yo c'est des paroles en pile monde t'a pas tant de ou même ou parler de bourgeoisie corrompue même gens et tout à l'heure gagné ancien sénateur qui t'a parlé de docteur Reginald Boulos pendant ce temps tout le monde constaté qu'on est président lui-même li namob pendant toute gros analyse a fait de qui est-ce qui tué qui s'acrivé. Comme ça tout, même au niveau gouvernement, côté que président lui-même, il a chita tout le monde, il y a eu un combat, j'en ai dit hier, j'en ai dit tout à l'heure, qui éclaté. Alors que les gens qui ont fait loi, je toujours dit, je considère les gens qui n'ont pas le mal, c'est des gens qui presque connaissent tout ça à faire, qui connaissent tout ça qui va arriver. Qui ça qui est possible pour sortir pays dans la situation de tristesse chaotique qu'il y a là? Et qui ça qui est possible d'où entre Ariel et Claude Joseph entre temps à parler là? Je vais parler, je vais répondre, je vais finir avec la question du docteur Reginald Boulos. Je vais rencontrer avec elle sous deux mandats pour me jouer un rôle intermédiaire parce que je connais que ton proche, le feu président Jovenel Moïse. Ce que je fais. Mais on connaît les mal rencontrer le président parce que mon aspect. Question, président Jovenel Moïse sont corrompus, tout le monde qui parle pour eux. Et président et parti politique, mouvement troisième voie, Reginald Boulos, la parle de contrat que le gagné dans l'État. L'idim, lui recevoir contrat de l'État haïtien, et président Jovenel pas exigé même un centime. Comme pour le vin. Ok? Les demandent, est-ce que les présidents sont corrompus? Déposer la question ça lui-même. Les dit, député Antoine, mais au contraire que je jeune, même ils ont senti que le président pas recevoir non même. Et moi, là, l'attendez, émission capable de dire, parce que c'est lui-même qui demande de me rencontrer. Ennemi président Jovenel Moïse, je pense que l'aime dans le Parlement pour. Pour vos camarades qui sont posés une question, je pense que je suis même ennemi actuel. Parce que, même pour que la justice sociale, pour que bien pays à la joindre majorité, pour que ce n'est pas un petit groupe, c'est pour une minorité qui a une richesse pays et qui a entretenu la majorité dans la misère. Pas qu'il n'y a aucun président qui est capable de rester dans le palais pendant 3 mois pour que peuple ça va soulever contre. Parce que son pays faible, un pays qui n'a pas de richesse, et même richesse que le gain, dit mal partagé. Merci beaucoup. Moi, je pas une solution qui veut gagner. Moi, je dis que 3 mondes qui doivent chita actuellement, c'est sénateur Lambert, que moi connais la capacité comme homme d'État, faut qu'il fasse dépassement ça, s'il veut éviter pays de guerre civile. Premier ministre Claude. Premier ministre Ariel Henry qui vient arrêté, mais qui pas investi, qui peut trop investi le pouvoir. Il connaît ça. Il y a plusieurs premiers ministres qui étaient nommés, qui ont arrêté dans le mais qui pas jamais investi sous président Jovenel. Donc, comme les détenteurs de arrêté, même en des trois, monsieur Sayo, de grâce, si nous voulons rendre justice avec président Jovenel Moïse, joignons entente entre nous pour que le pays aille vers la stabilité. Et ma fini pour me dire, mon qu'est-ce parce que c'est la moune, c'est la sortie. Même ennemi, président Jovenel Moïse, c'est eux que je et eux connaît. Moi-même, moi connais jour de fête là, je n'ai pas besoin de connaître les mapons. Parce que je besoin un pays qui est stable. C'est pour ça que j'ai voté. Et c'était rêve, et c'est dans la ligne ça d'aller. Je ne vais pas aller dans la ligne mercantilisme pour mal faire l'argent. Et au témoin de ça, moi je veux un pays qui vraiment que majorité a que les marchés ne pas senti menacé par population qui n'en classe, qui n'en misère. Que tout le monde qui n'en classe politique là, moi souhaite que nous ressaisissons. Nous faisons 4 ans, nous avons bataille politique à lui. Mais qu'on y a, c'est Mme Lalim qui a dit qui est-ce qui doit
diriger le pays. On ne pas quitter la bataille ça, parce que Jovenel Moïse, 95% de nous qui sommes dans la classe politique là. 30 secondes, député Alfredo. C'est même origine sociale avec nous. Mm-hmm. On joint une solution interne sans la communauté internationale. Merci beaucoup, député Alfredo Antoine. Voilà. Et Alfredo, invité, trois mondes qui sont intervenus dans l'émission Haïti Débat. Écoutez, il faut que nous disions que. Et premier monde qui est intervenu, c'est Gabriel Fortuné. N'est-ce pas? Mm-hmm. Nous avons senti que il y a émotion, il y a consternation, il y a révolte. Mais écoutez, Gabriel Fortuné, ce n'est pas un bébé. C'est un homme politique. C'est lui qui fait déclaration. Yeah, et c'est ça qui fait me demander pour assumer. Ce coup pas gagné pour avec déclaration Gabriel Fortuné. Fortuné qui fait accusation sous Reginald Boulos. C'est ça que fait de mon nom Baptiste qui est intervenu. Ce coup pas gagné pour avec déclaration Monel Jean qui c'est coordonnateur région l'Ouest MTV Haïti qui lui même répond pour le dire que et c'est par rapport à une série de décisions président prend et bien faut qu'il aille chercher mener enquête sur ça pour qu'on ait comment il fait mourir. Donc nous même nous là pour nous bailler la parole et nous pas là pour nous assumer ça moun dit. OK. Justement, bon. Ronald de Jeune, nous avons quelques avancées jusqu'à présent, nous avons signalé ça. Dans le cadre de l'actualité, c'est le Sénat, tout le monde toujours retiré le Sénat, qui a même sorti son résolution pour déclarer